Ça y est, ma première saison des mariages est terminée. C'est tellement une période que j'ai aimée qu'il faut que je vous raconte. Je suis très contente que des mariés m'aient fait confiance pour ma première année en tant que vidéaste. Filmer mes premiers mariages, c'était une découverte pour moi, mais une très belle découverte. J'étais stressée bien sûr, sinon ce n'était pas drôle. Mais je savais ce que je devais faire pour raconter leur journée et soirée en images. C'était la première fois que je goûtais au plaisir de filmer un mariage. Et j'ai pleuré. Et je me suis rendu compte que j'allais pleurer à chaque mariage en fait. Mais pleurer d'émotion, parce que c'est beau et émouvant filmer des gens qui s'aiment. C'est aussi les premières fois que je rencontrais des photographes de mariage, avec qui il était bien de partager la journée, de s'entraider et travailler ensemble. Les mariages, c'est un condensé de plein d'émotions. De la joie, des rires, des pleurs. Si moi je ressens tout ça dans une famille qui n'est finalement pas la mienne, je n'imagine même pas les émotions des mariés. J'adore filmer les préparatifs. C'est un moment de calme avant la tempête. Ce moment entouré de ses témoins, ce moment où vous vous trouvez beau et où vous voyez les réactions des gens autour de vous. La cérémonie, c'est aussi un beau moment. Des discours, les réactions des parents, des témoins, les baisers volés, les regards tendres. Le vin d'honneur, ce moment un peu plus calme avant de commencer la soirée. Et la soirée, je pense que c'est mon moment préféré. Ce moment où je m'empêche de danser et où vous m'offrez vos meilleurs pas de danse, vos meilleurs sourires. Vous vous lâchez et ça, c'est génial à filmer. Après la folie de la journée de mariage, il y a le montage. Ce moment où votre film se met en forme. Ce moment où j'arrive à trouver la musique parfaite qui colle aux images et qui donne une ambiance incroyable. J'assemble les différents moments de la journée pour raconter votre histoire. Après vient le moment où je dois vous envoyer votre vidéo. Je redoute toujours un peu ce moment. La peur de vous décevoir, la peur que vous n'aimez pas la vidéo. Puis j'attends vos retours. Et là, c'est la délivrance. C'est vos jolis mots pleins de compliments. Et en tant que vidéaste à mon compte, les avis, c'est le plus important. Et c'est ce qui motive et donne envie de continuer. Donc merci. Merci pour vos petits mots, vos soutiens, ça fait tellement plaisir. Là, nous sommes en octobre. J'ai l'occasion de filmer un baptême et mes baby shower. C'est génial de filmer un événement familial autre qu'un mariage, parce que c'est aussi de beaux souvenirs et finalement, il n'y a pas beaucoup d'événements où toute la famille est réunie. Donc autant en profiter. J'ai hâte de filmer mes mariages en 2022. Maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de filmer vos belles histoires.